Bon, aujourd'hui, ce soir, on part en randonnée. On va essayer de faire des photos de nuit au plateau du Couchonne. Je suis avec deux amis, Thomas et Johan. Du coup, moi, j'ai préparé mes affaires. Je vais acheter deux, trois conneries et direction le plateau et récupère les deux autres. Allez, on est parti! Bon, on est où là, Johan? Là, on est à Queens, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller là-haut. Tout là-haut, on voit rien. Après, le sommet de Nuku, dîner demain matin. Il départ 4h. On va dormir avec les chevaux et les cochons. Ça va faire mal. Ça va être sympa, ouais. Ça va être bien. On est parti là? Hein? Ok. Si. Ils sont chauds. Là, on se fait une heure de rando. On pose la tente. Après, on va faire les photos. Bon, on a trouvé notre petit spot là. On va installer le T3. Celui-là, le loyer, il est pas très cher. Hein. Johan, monteur, démonteur de tente depuis 1890. Ah, ça, t'as pas ce qu'il jette? Ah non, mais... Reporter sur frontière? Ouais, on a assisté à une belle scène de géographie. Thomas nous a annoncé que là-bas, c'était Ajaccio. Non, le port de Solidaire. Alors que c'est pas là-bas. Non, on est bien. C'est magnifique. Personne. On va aller voir le jojo. Alors Jojo, t'amuses avec le drone? Ouais. Hein? C'est cool, ouais. On est putain de plan. Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro. Randonnée, survie à steel et drone.
Alors Olivier Canazzi, donc qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce beau plateau du Couchon? Eh bien, on est sur une colline à 2050 mètres d'altitude, on a un magnifique lever de soleil avec la mer derrière. On n'a pas le phare de Sénétos qui est là-bas, mais c'est Porto Vec et Ajaccio qui est par là-bas. Hein? Bon. On est magnifique, super. Regarde. On voit la mer et tout. Donc voilà, là on a eu le droit à un joli petit lever de soleil. Vue mer, hein, bien sûr, bien évidemment. Hein. Je sais pas si on voit bien. Et on a Porto Vec qui est en bas, caché derrière la brume. Montre-nous ce que t'as fait, Thomas. Tu vois, c'est pas le pain au chocolat, c'est le chocolat au pain. C'est clair, le type il a fait un sandwich de chocolat avec une petite tranche de pain bien au milieu. Au calme.